tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la présentation complète de notre boîte à explosion avec à l'intérieur son album mini. Je vous l'avais promis lors du tuto de la boîte que je vous montrerai une fois terminé l'ensemble complet. Donc, je vous rappelle, voici notre boîte. C'est une boîte qui est de 15 sur 15. Et là maintenant, vous la voyez avec la décoration finale, puisque dans le tuto, en fait, vous n'aviez que des photos, puisque je fais, vous savez, les décorations toujours hors caméra, la plupart du temps, parce que ça prend trop de temps, et puis surtout parce que on fait les décos selon nos envies et nos fournitures et notre thème. Donc, je vous rappelle que la boîte a été faite avec cette collection de chez Papers for You, Summer's Love Collection, que j'ai acquise chez Craftelier. Voilà, donc je vous représente la boîte. Donc au-dessus, j'ai mis cette image avec ce petit sentiment en carton-bois qui vient de chez Scrap Didi. Voilà, et donc comme je le rappelle, j'avais décidé de faire cette boîte sous un format 15-15 parce que je trouvais que les papiers étaient tellement jolis que c'était franchement dommage de couper dedans. Je trouvais qu'il fallait laisser tels qu'ils étaient. Donc là, on a la petite souris avec son petit appareil photo. Donc je vous montre les quatre faces. Donc voilà. Hein, donc je suis venue réagrémenter le papier avec quelques petites décorations. Mais vous voyez, c'est vraiment très 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 léger ce que j'ai fait. Et je trouve que les papiers habillent vraiment très 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 bien l'extérieur de notre boîte. Voilà. Donc la plupart des fleurs viennent de chez Action. Mais vous avez aussi des petites choses qui viennent de chez Sostren Green ou encore de chez Nose. Donc, quand on ouvre la boîte, nous avons donc ce fameux système à explosion. Et donc, moi, là, ce que j'ai fait à l'intérieur de la boîte, je suis venue la décomposer pour venir compléter donc le mini qui se trouve à l'intérieur. Alors, je vais déjà vous montrer le reste de la boîte et ensuite, je vous présente le mini. Donc, toujours pareil, j'ai toujours utilisé la collection Summer Loves à l'intérieur. Et vous voyez, je suis venue agrémenter mes faces. Donc, alors ça va pas être évident de vous montrer tout ça. On va essayer. Donc la première ici, je suis venue faire avec une die de section un petit format pellicule où derrière je suis venue mettre une petite photo. Donc par contre je l'ai cachée parce que je n'ai pas l'autorisation de vous montrer les petites photos du bébé. Hein. Alors oui, je ne l'ai pas dit avant, mais cet album c'est pour offrir dans le cadre d'un baptême d'une petite fille. Voilà. Ensuite, à gauche et à droite, eh ben, je suis venue faire pour pouvoir éclipser avec une jolie petite pince à linge une photo. Et là, j'ai fait un petit sentiment pour y noter la photo préférée de la maman, du papa ou des deux. Et donc, sur cette dernière, je suis venue faire, donc avec des petits restes de papier, justement pour ne pas les perdre, je suis venue faire deux petits tags dans leur pochette. Donc là, c'est un set de dies de chez Action pour pouvoir mettre soit les premières petites photos d'identité, hein, s'il y a besoin de lui faire un passeport, une pièce d'identité, soit tout simplement pour faire une petite photo de la maman et du papa. Voilà. Donc maintenant, ça, je vais le mettre de côté. Et maintenant, je vais venir. Oups. Voilà. Je vais vous présenter donc le mini. Donc le mini, il est réalisé donc à part la photo de couverture qui est toujours dans la collection Summer Loves pour faire un rappel avec la boîte. Par contre, lui, il est réalisé avec ses deux collections de chez F Déco. Donc la Babies, la My Little Babies Girl, voilà. Je vous avais déjà présenté un mini justement avec pour une petite fille que j'avais fait avec cette collection. Et bien là, j'ai continué à l'utiliser. Je la trouve très sympa. Et le Cutie Sparrow,
donc aussi de chef déco. Donc les deux, je les ai acquises à l'époque chez F Déco France, qui malheureusement a fermé depuis. Donc je ne pourrai pas vous mettre les liens vers la boutique. Par contre, sachez que vous pouvez les trouver aussi chez Craftelieu. Donc le mini se décompose ainsi, hein, donc c'est un mini en accordéon. Et là, pour faire un effet plus joli par rapport à d'habitude, je suis venue faire un double ruban à gauche et à droite pour pouvoir fermer et donner ce petit effet. Donc après, voilà, il suffit de l'ouvrir de cette façon. Là, vous retrouvez un tampon que j'adore qui vient de chez Scrap Didi. Alors malheureusement, c'est pas un tampon qui est en vente, c'est un tampon que nous avons eu dans le cadre du calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi. Et c'est vrai que quand je fais des albums, je le mets systématiquement puisqu'il est écrit dessus photographie, être au bon endroit, au bon moment et l'immortaliser pour toujours. Donc je trouve qu'il s'applique vraiment à tous les albums, puisqu'à chaque fois c'est pour mettre des photos pour lesquelles on a envie d'avoir de magnifiques souvenirs. Donc comme je vous l'ai dit, pour la couverture, j'ai repris la collection Summer Love, et donc je suis venue reprendre la petite souris, parce que justement, dans les mains, on ne sait pas trop si elle a un petit sac à main ou un petit appareil photo. Et donc, je trouvais ce petit clin d'œil assez sympa. Et donc maintenant, en dépliant le mini, on voit apparaître les photos. Alors, pour ma part, je n'ai pas mis des photos partout parce que le bébé est très très jeune. Donc, j'ai laissé énormément de place pour que les parents puissent venir le compléter. Moi, j'en ai mis quelques-unes que je suis venue agrandir. Que je suis venue agrémenter de quelques sentiments. Vous voyez, par exemple, là, c'est écrit journée mémorable. Alors, la plupart des tampons qui sont utilisés dans cet album, ce sont des tampons toujours de chez Scrap Didi, parce que l'avantage de chez eux, c'est que leurs tampons sont en français. Donc, ça, c'est super intéressant. Et ils ont pas mal de tampons pour des sentiments relatifs à justement les albums photos, journées mémorables, ensemble en famille, lieux magnifiques, enfin voilà. Donc, j'aime beaucoup, je trouve que pour agrémenter les albums, c'est super. Donc, bah, ici, vous allez retrouver tout au long de l'album les deux collections de chez F Déco, voyez. J'ai fait une jolie découpe ici autour de la photo avec une dice de chez Action. Alors, par contre, j'ai pris exactement le modèle du mini que je fais d'habitude. Ensuite, en fonction des mini, je viens plus ou moins rajouter des planches. Et donc, vous avez pour mettre des photos de 9,5 sur 9,5, hein, puisque en fait, les carrés font 10 cm. Voilà, donc vous voyez. Et puis, à chaque fois, agrémenté de petites choses. Voilà. Et puis, bah, régulièrement, voilà, nos plus jolis souvenirs en photo, sourires, moments uniques, ensemble. Voilà. Et donc, vous avez le côté recto et le côté verso. Donc, sur cet album, vous avez la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 photos. Voilà. Donc je trouve moi que pour des petits cadeaux, ce mini, il est très sympa parce qu'il prend pas de place. En plus, avec une photo qui fait presque 10 cm de large, ça permet quand même d'avoir des photos avec des beaux visuels. Et ça fait toujours un cadeau très original que de transmettre des albums photos assez classiques, standards, enfin voilà. Donc en plus, le fait de l'offrir dans une boîte à explosion que moi j'ai décidé aujourd'hui a un autre avantage, c'est-à-dire que ça permet de faire un rangement qu'on peut mettre dans une armoire, dans une bibliothèque, et puis avoir un écrin qui est très joli. Mais surtout aussi, c'est si jamais vous venez mettre un petit doudou en plus, un petit dort-bien ou quoi que ce soit, le fait d'avoir fait, vous voyez, une boîte de 15-15 a l'avantage qu'on peut venir y rajouter un petit truc dedans.
Et donc, ça fait derrière une boîte cadeau, tout simplement. Donc, vous pouvez aussi utiliser la boîte à explosion simplement en boîte cadeau et pas forcément en boîte pour l'album, mais uniquement en faire une boîte cadeau qui, quand elle va s'ouvrir, eh ben, fait découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ma petite vidéo de présentation. N'hésitez pas à aller voir le tuto de la boîte si vous avez envie d'en faire une. Et pour le mini, donc comme je le dis, le tuto que vous trouverez en ligne, ce n'est pas celui que je vous ai présenté aujourd'hui au niveau du thème, c'en est un autre. Mais vous avez toute la procédure pour pouvoir en réaliser un. Et surtout, comme je vous le rappelle, ensuite, si vous voulez le faire plus ou moins grand, eh bien, il vous suffit de retirer plus ou moins des pages pour vos photos. J'espère que cela vous aura donné des idées de création. En attendant de se retrouver pour un autre tuto, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!